One Love, c'est encore moi. Voilà, tiens, on voit un camion de pompiers. C'est une première pour moi. Bon voilà, après, on ne sait pas pourquoi il a mis ses lumières. L'église Sainte-Bodile ou Saint-Bodile. Ah, si c'est Saint-Bodile ou Sainte-Bodile. Ah, donc nous sommes au centre-ville. Bientôt l'heure de ce qu'ils appellent le couvre-feu. Désert, c'est mort, la nuit tombe. Et comme d'habitude, quand la nuit tombe, jamais personne ne la ramasse. Bref, faire une petite visite avant de rentrer à la maison. Une petite visite en ombre. Petite visite du centre-ville, donc. C'est assez mort, hein. C'est comme un dimanche en fait, hein. Comme un dimanche soir, sauf que les cafés, les pubs, le resto, tout ça, bah, c'est fermé. Ben voilà, voilà, voilà quoi. Toujours en ville, donc tiens, je viens de découvrir une petite rue, donc je sais pas si je vais pouvoir passer par là pour rentrer chez moi. On va voir, c'est pas ah ben allez, un petit raccourci que je ne connaissais point, ce qui m'a fait gagner plus d'une centaine de mètres de distance au final en passant par là. C'est ouf ça. Et voilà, je vais rentrer à la maison. Je tiens par ici. La petite balade nocturne, il n'y a pas un chat. Enfin si si, il y a un chat. Il y a un chat, il s'est réfugié dans le dessus. Waouh, voiture en face. Sur le côté. Quand il fait beau comme ça, tiens, j'entends des sirènes. Je sais pas si c'est le pompier ou le keuf. Et donc on va tourner, oui, je sais, il fait sombre, mais c'est normal, c'est la nuit. Là, je suis obligé de m'arrêter parce que... Ouais, j'avais des lunettes. Comme ceci, elles ont glissé. Et je les avais exclus bizarrement. Alors hop, et on reprend. Ça sent le café. Les différentes odeurs de nourriture. Ah, forcément, c'est un peu l'heure du repas. Ça, c'est une bonne boulangerie. Bonsoir. De la rue Kersemar qui est, enfin, je vais pas vous dire qui est Persemar, mais donc la rue Kersemar qui est collée à la marne, enfin la rue où j'habite, hein. J'ai pas de rue à moi,
Alors on passe sous un immeuble qui fait office de pont. Ça c'est un magasin pour les survivalistes, mais il est fermé. Ok, ben voilà. Rue de la rue, je serai chez moi. Dans mon quartier de la Vomatinique, pour les esprits tordus, les esprits plus sains, ça c'est une asso, ils ont cet immeuble là. Et ça c'est pas mal hein. J'ai vu que c'était une jeune femme qui a peint tout ça. Une fois je l'ai vu, je passais, elle était sur un échafaudage, elle était en train de peindre. Voilà, voilà. Une petite œuvre d'art. Rue Anatole France. Bonsoir. Bonsoir. En fait, tout le monde dit bonsoir, c'est super cool. Ah ouais, je roule à contresens, je vais à l'envers, je suis désobéissant. J'obéis pas au système, quoi. Je fais l'inverse, tu vois. Quel couvre-feu, il est où? Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils ont mis le couvre-feu, mais comme vous avez constaté, il n'y a rien. Et voilà, on arrive dans la rue où je vis. Et voilà, voilà, home sweet home, retour à la maison. Moi je vous dis one love et à bientôt pour votre prochaine vidéo.